Salut tout le monde, ici Monsieur sur ton PC et sur ce let's play. Bienvenue sur le let's play, la suite de There Is No Game. Ah non non, je m'amuse bien là. Ouais ouais, on va se déplacer. On va se déplacer, c'est bon. Alors, je crois me souvenir à quoi ça sert, ça, ça sert à... Voilà, ça sert à faire ça en fait. Ouais. But that doesn't make any sense. You might as well use, I don't know, a monkey to work an hydraulic pump. It's dumb. Alors, pour l'anecdote, quand j'ai eu ça dans le jeu, je me suis demandé si plus tard ils nous feraient pas le coup. Et en fait, ils nous le font pas. Et du coup, je me suis demandé si c'était pas ce jeu sur téléphone, mais je m'en souviens pas assez du jeu sur téléphone. Mais si ça se trouve, c'est dessus. C'est, il est gratuit, c'est There Is No Game aussi en fait. C'est juste pas Wrong Dimension qui est le nom complet de ce jeu-là. Voilà. Adieu YouTube. Bah non, re du coup. Comment te torture? C'est quoi le mot de ton introduction YouTube? Je comprends pas. Les mots. Ah. Je les ai refait. Ah, c'est les couleurs. Alors je me souviens de comment on peint. Je me souviens juste plus de comment on récupère ce dont j'ai besoin pour peindre. Ah attends. Si je peux faire ça. Ah oui. Là je peux dévisser ce dont j'ai besoin. You just swiped their magnifying glass. Ouais. The feast wasn't enough for you. I just hope they won't figure it out. Alors, genre tu dis Yosh tout le monde nanana, c'est ça, c'est ça. Et là ça a arrêté. Ah, salut tout le monde. I had my magnifying glass in my hand, Watson, and it suddenly disappeared. There you go. They figure it out. That voice. It's the ghost, Holmes. The Russian ghost. The Russian ghost. Mot pour mot. But I'm not Russian. Je m'en souvenais pas, hein. J'ai deviné qu'il dirait ça et il a vraiment dit quoi. Mr. Wilhelm, you never told us you were such a talented ventriloquist. Oh, he's not the one speaking. I am. My name is Game. I'm a computer program. I'm with a user, a human. And we are trying everything we can to get home. Do you know how we can exit your game? 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 What game? Your game. You are aware that the world you're in isn't real, don't you? You don't know that you're in a video game, is that it? I'd rather look for my magnifying glass than continue listening to your mad jabbering, Mr. Wilhelm. But he's not the one... User, I think we are going to need Mr. Glitch's help. If he brought us into this dimension, he will probably be able to get us out of here. Ouais, je vois pas pourquoi il nous aiderait, Monsieur Glitch. There's got to be a way to get it off. Maybe some kind of ritual. Unless, of course, you've got the number for the fire department. Phantom possession. Je vais noter. 5, 5, 5, 2, 3, 6, 8. Je me souviens juste plus tout à fait de comment. Qu'est-ce qu'on a là? On peut enlever la lune, mais ça sert à rien. Ça, ça sert pour plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire à part le regarder? Regardez ça, peut-être? Ouais. Je suis persuadé qu'il y a un easter egg. Il doit y avoir un easter egg avec le téléphone. Ah bon, je vais faire le... Mais il est pas branché ou quoi? Il est pas branché? This machine seems to be out of order. Effectivement, il est pas branché. Unless it's just not plugged in. C'est le génie! Ah, ben oui, si ils ne connaissent pas les téléphones, oui, c'est normal qu'ils sachent pas que ça vient d'un téléphone. Yes, Mr. Wilhelm told me about it. It's a prototype of Antonio Mucci's telephone. Mucci? It allows you to communicate with another person from a distance instantly. I say, and how many of them exist? This is the only one of its kind. So it's useless. Pour le moment.
pour le moment. J'avais beaucoup trop de retard. Sur quoi? Mais du coup, l'intro, j'ai pas compris. Oh, t'inquiète. On peut faire le numéro de SOS Fantôme. Ouais, c'est ce que je vais faire. Mais je me dis, il doit y avoir un easter egg d'un autre numéro. Peut-être écrit ailleurs dans le jeu, peut-être juste codé, mais pas montré dans le jeu. Bref, je suis sûr qu'il y a un easter egg avec le téléphone. Alors, 2, 3, 6, 8. 6, 8. That's strange. The teletrophone is making that odd noise again. Someone seems to be trying to communicate with us. It's the video ghost host. Come on, Watson, pull yourself together. It's probably Mr. Mucci who made a second one and is testing it. Je connaissais pas l'expression put yourself together. Je connaissais plutôt l'expression put your shit together, qui doit être, probablement être la version vulgaire de la chose. Mr. Sherlock Holmes speaking. A disenchantment ritual. You'll have to find another dupe, madam. Goodbye. Was it a video game? No, a telephone scam. Mais comment tu peux savoir que c'est une arnaque téléphonique si tu sais pas ce que c'est qu'un téléphone? This Sherlock Holmes fellow is not very cooperative. Qu'est-ce que ça raconte? Non, c'est ce genre de choses. Ok. Faudrait qu'on les inverse. Peut-être Watson qui sera plus coopératif. Mais comment faire pour qu'il dégage? Peut-être re-enlever la lune éventuellement pour les faire se déplacer. Ça doit être un truc du genre. Bouge la lune. Non, mais me donne pas la solution, Tomahawk. Bon, après, je l'ai déjà fait ce jeu, donc c'est pas vraiment du spoil, tu vois. Mais je préfère essayer de retrouver en fait. It's dark again over in this corner. I say, there's a bit of light over by the entrance. I may have lost my magnifying glass here. Well done, user. That character isn't by the communication device anymore. Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils vont re-échanger de place ou comment ça se passe? Parce que s'ils se remettent à leur place d'origine, ça va pas me plaire en fait. La solution est la solution. Good. We might finally be able to use this teletrophone in peace. Bah ça. Ah, bah oui, du coup, oui. Alors c'était quoi? 2, 4, 6, 8? 2, 3, 6, 8, d'accord. 2, 3, 6. Et petite seconde. Faut que je fasse un truc important là. Thomas Oak. Voilà. Et voilà. I think you're going to have to answer, Mr. Watson. Holmes, the Russian video game is speaking to me. Il l'appelle quand même jeu vidéo, il l'appelle pas fantôme, hein. Avec la musique flippante. Three steps for a successful disenchantment. I'm listening. Ah, that's what we're interested in. There must be a full moon. As luck would have it, it's not the case. Cover the victim with snow. Neige. It's the middle of May. Then gently place a large cherry on top. Is this a ritual or a cake recipe? So, let me summarize. Full moon. Snow. Neige. Grosse cerise. Thank you, madam. We are screwed. Totally, totally screwed. On est les mêmes. Oh, je t'en prie. There is no solution. Elle est bonne. Je me demande si ce sera pas le titre de la vidéo. Il n'y a pas de solution. There is no solution. Je me souviens plus de la suite, par contre. Peut-être retourner dans la première salle. There is something written on this strange hatch. Ah oui, éventuellement. Unfortunately, it's to developers only. One more rule you're going to be able to break. Ouais, bah du coup, voilà, parfait. Parfait, parfait. Looks like. Hey, il y a une glace là-bas. Ah, I think I know where we are. It's a dictionary. This is where all the things that are used in the game are stored.
Ouais, le truc c'est que je fais la même chose sur le jeu que je programme. Effectivement, il y a un niveau où il y a tous les objets pour... En guise de dictionnaire, quoi. Ouais. Comment on la chope? These cans of paint make me think of the three primary colors: red, blue, and yellow. Except we're inside a cathode ray screen with a video signal, which is a mix of red, blue, and green. Without a paintbrush, there's no point anyways. Why am I talking about mixing colors? Je me le demande. Mais du coup, j'ai pas accès à ces trucs-là. Ah, oh, je peux les dévisser les deux, mais c'est nickel ça. C'est trop bien. Allez. Du coup, t'as droit à un cadeau, carrément. J'ai voté pour toi. User, I think you've lost an eye. I'm going to be sick. No, I can't have the program. Ben, techniquement, ça veut pas dire que tu peux pas avoir des bugs, et c'est une certaine façon de voir les choses en tant que maladie. Je me souviens, pour la lune, ce qu'il faut faire, du coup, c'est choper du jaune. Donc on va prendre... du jaune, voilà, qui est un mélange de vert et de rouge. Il n'y a plus qu'à la ramener. Il n'y a rien qui marche, ça saoule. Give étoile. Bah oui, mais non, mais ça marche pas, ça. Give. C'est pas une commande autorisée, ça. What a fantastic full moon. Voilà. I hope the game won't get wise to us. Bon, honnêtement, je pense. Allez, on leur renvoie la lune. Pour la cerise, peut-être si je plonge... Je crois la solution, c'est plonger l'œil dans le pot de peinture rouge, un truc comme ça. Hey, a big red ball, like a juicy cherry. Voilà, exactement. Do you think it will do the trick? Tout à fait. So. Tout à fait. Par contre, je me souviens plus comment on récupère la glace. Ah, oups. Je me souviens que j'avais trouvé du premier coup la première fois. J'avais trouvé. Techniquement, on parle de neige. On dit aussi neige au brouillard pour, en français pour ça. Quoi. Allez, nickel. On a tout ce qu'il nous faut. Tu ne peux pas. Non, on peut pas se donner des sous. Pas encore. Peut-être je vais développer un système là-dessus. Mais... bah, nickel. Il n'y a plus qu'à lui mettre la neige. On a la pleine lune. On met la cerise. Sorry, Mr. Wilhelm. It's for your own good. Et on devrait être bien là. Okay, we have all the ingredients. Parfait. On dirait un petit bonhomme de neige. Oula. Look, it's starting. Il a explosé. Oops. Watson, Mr. Wilhelm just exploded like a beached whale. Perhaps he was allergic to cherries. I'm finally free of that ridiculous pride. This trip has been more difficult than I imagined. Mr. Glitch! Game, you again? Did you find... Mais les dialogues de ce jeu... allergique aux cerises. Ça explose pas un mec allergique aux cerises, quoi, sans déconner. We were transported here by accident. We? No, it can't be true. You brought the user with you. You're such a pain in the neck. Then you wonder why she left you. I won't let you speak of her. Anyways, I have to go. This isn't the dimension I was aiming for. Il y aura une histoire d'amour là-dessous. Good game.
Elle est bonne, effectivement. Bah on va. Les cyclers anglophones, ils ont tous galéré pour la neige. Pourtant j'avais trouvé du premier coup, hein, la première fois, legit. Mais peut-être parce qu'on dit pas TV Snow en anglais, peut-être que c'est une mauvaise traduction, parce que c'est en français qu'on dit neige, je sais pas. J'ai gagné combien, il n'y a pas marqué la somme. Bonne question. Je crois me souvenir d'un détail, c'est qu'en fait, le bug, il renverse les choses. Et comme le tableau il est à l'envers, ça va l'inverser et du coup ça va le remettre en haut. Ouais, voilà. Now the painting is the right way round. At least I think so. The passage is open again. Come, Holmes. Du coup, on dit neige en anglais ou pas? On peut le dire, mais il préfère statique. D'accord, c'est pour ça. So, if I understand right, some things seem to be affected by this bug fragment. It's like it reverses them or something. Who cares? Let's follow them. Ouais, et ben allons-y. Where is the exit? I can feel it here. Take us home. But why, take us game? Home. You're not happy here with your new NPCs. NPC? Po po po. Don't know that. Sorry, I meant new friends. Watson, stop conversing with this beast. You're making me uneasy. Their AI doesn't seem too bright. Where are you trying to go, Mr. Beach? To a place where I will be able to unleash my evil plan. What plan? C'est là que ça commence. That will let me... Système anti-copie. What did he say? A copy protection system right in the middle of a game? Aïe aïe aïe, j'ai été démasqué. We're missing the explanation of his evil plan. Let's find the numbers we need fast, user. Y'a moyen de sauvegarder ou un truc comme ça? Ça reprend où si jamais je quitte? Eh, j'ai peur que ça reprenne trop loin. Qu'est-ce que ça raconte? Mais celui qui a fait le jeu en français, qui parle très bien anglais. Bah, je me rends compte qu'il parle bien anglais. Quand tes amis, c'est des NPC. Alors, je me souviens... J'aurais aimé que ça sauvegarde en vérité, parce que là, j'aimerais quitter. Bon, je vais quitter... en fait, je vais dire au revoir à YouTube. Ouais, on va faire ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.